Assalamu alaikum à tous mes frères et sœurs. Je suis Mor Salam et une fois de plus, je viens m'entretenir avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration du côté de l'Arabie Saoudite, la terre sainte, la terre du prophète. Nous le savons tous que l'Arabie Saoudite, comme je viens de le dire, c'est la terre du prophète, la Mecque s'y trouve. Donc, c'est clair que nous pensons, nous qui ne sommes pas là-bas, nous pensons que les gens qui habitent là-bas sont des gens qui sont comme le prophète, des croyants, des gens qui croient à Allah le Tout-Puissant. Mais parfois, la réalité peut être différente. J'aimerais par ici vous faire comprendre une chose. Pour immigrer au Koweït, vous avez besoin d'un visa. Un visa. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Les Saoudiens, ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, ils essayent, en fait, d'importer cette main-d'œuvre-là pour les petits boulots dans les maisons et surtout l'élevage. En fait, ils cherchent toujours des bergers. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, au Koweït, ils ont deux systèmes de visa. Un visa 18, un visa numéro 18 et un visa numéro 20. La différence entre les deux, c'est que le visa numéro 18 est un visa de travail. Ça veut dire que tu peux travailler où tu veux. Mais le visa numéro 20 est un visa, bien sûr, de travail, mais pour une seule personne. Donc, si par exemple, les gens qui t'aident, qui aident, en fait, les gens qui aident les gens, les passeurs qui aident les gens à aller à immigrer vers la Mecque, et bon, non. L'Arabie Saoudite, beaucoup, en fait, ont des contrats avec déjà les employés, les employeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un contrat avec un employeur qui, lui, va payer toutes les dépenses. Toi, par exemple, qui es en Afrique, pour que toi, tu viennes. Donc, bien sûr, c'est un visa numéro 20 que tu auras. Ça veut dire que dès que tu arrives en Arabie Saoudite, tu es une propriété de cette personne-là. Lui, dans sa tête, il t'a payé. Tu es devenu comme son mouton. C'est comme ça. Donc, la plupart de nos frères qui souffrent en Arabie Saoudite, c'est parce que ils ont des visas numéro 20. Des visas qui les interdisent de travailler pour quelqu'un d'autre que pour cette personne. Et cette personne qui a mis l'argent pour votre venue vous prend pour sa propriété. On a un frère qui a un frère burkinabé qui a témoigné la dernière fois. Et c'est malheureux de constater que lui, par exemple, il disait que les Burkinabés, quand ils vont à l'ambassade pour chercher de l'aide par rapport à leur situation, les agents de l'ambassade leur disent qu'ils ne sont pas là pour ça et qu'ils n'ont qu'à aller se démerder, donc à les supporter, quoi qu'il se passe. C'est désolant. C'est désolant parce que voilà et le Togo qui est à côté du Burkina. L'État togolais a interdit carrément le visa numéro 20 parce que c'est un visa criminel. Nos gouvernants, c'est quoi, gouvernants ou gouvernés? Non, gouvernants. Nos gouvernants doivent faire quelque chose. À défaut d'empêcher les gens d'aller dans ces pays-là, ils doivent au moins
penser à leurs conditions de vie en interdisant le visa numéro 20. Comme ça, quelqu'un qui arrive là-bas, qui ne s'entend pas bien avec son employeur, bah, il peut foutre son camp, il peut aller chercher du boulot ailleurs. Il n'est pas le chien de quelqu'un, il n'est pas la propriété de quelqu'un, il ne sera pas le mouton de quelqu'un. Chers frères et sœurs, le soleil brûle et je vais me dépêcher pour aller à la mosquée. On se donne rendez-vous prochainement. Inch'Allah. Bye.